On continue notre aventure. Et du coup, il faut qu'on aille à l'Akudabar. J'ai rien oublié. Hein. Non, je crois que j'ai rien oublié. Au niveau des photos, je pense qu'on est plutôt pas mal. Du coup, let's go. Ah oui, non. Je pensais que le truc allait avancer tout seul. Voilà, que ça allait faire ça. Mais non, 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 il faut que j'avance quand même. C'est mieux. Hop, la boussole cité. Bah voilà, bah c'est tout droit. Belle Mirette, tu connais? Un coup d'abord, quartier piéton. Quartier piéton. Eh bien, on va aller voir ça. Y a quoi par là? Ouais, je sais pas, je sais pas. On va pas s'éparpiller partout. Moi, j'aime bien suivre l'histoire quand même. Même si ça m'arrive de fouiller pas mal dans les jeux, mais là je préfère tout bien suivre. Et du coup, par là-bas, il n'y a rien. Je sais pas. 1, 2. On va aller par là d'abord. Je sais pas de quel côté il faut passer là. Faudra qu'on aille faire un petit tour au quartier piéton, un de ces quatre. Bah c'est... Oui. Ben, c'est là où on va d'ailleurs. Mais je crois que c'est ici qu'il faut aller. Ah ok, on est en haut. Ouais, trop bien. Il y a encore eu 40 personnes enlevées cette nuit. Ouais, encore un coup des Doms. On va tous y passer. Ouh. Ah, dans le journal officiel, ils disent que c'est le réseau Iris qui est derrière tout ça. Non. Ça m'étonnerait pas. On peut te prendre en photo, toi ou pas? Non. Mais tu ressembles pas aux autres gardes qu'on avait vus tout à l'heure. Tu ressembles pas aux autres gardes. Tu me rappelles quelque chose. Je vais rien dire, mais tu me fais penser à quelque chose. Alors, petit garçon, ok. Salut, salut, bonjour. À l'abri dans sa coquille, la perle est l'esclave des courants. Avant toute chose, si tu veux qu'on fasse affaire, tu dois... ok. Vas-y, passe la carte. Très bien. Ok. À l'abri dans sa coquille, c'est une contrepétrie. Attends, attends, pas facile. Le colibri. J'y réfléchirai. D'accord. C'est bon. Tu veux t'abonner à un journal? Faut voir. Je peux te proposer l'officiel d'Ilis, l'information citoyenne. Ilis Futé, bon plan, promo et astuces. Ce qu'Ilis Futé, lise Ilis Futé. Un slogan bien pourri. Tous nos abonnements sont à 50 unités pour une année. Ça va, c'est pas très cher. Allez, vous savez quoi? On va prendre l'Ilis Futé. On sait jamais, il y a des bons plans. Peut-être que on peut avoir des perles en promotion. Ça pourrait être bien. Ok, t'es abonné. Eh ben merci, de rien. Bonjour monsieur de... Ouh, c'est quoi ça? Ça fait très très propagande quand même. Hein. Bref, ah, la Akudabar. Voilà. Hey, il fait un peu soif tout d'un coup, tu trouves pas? Oui, exactement. Je bois un coup d'ailleurs. Voilà. Tant qu'on y est. Ah, ça fait du bien. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu le jeu de mots, hein. Akudabar, Barakuda. Toi, Tauros Sapiens. Taurus, parfait. Taurus, pardon. Je date et j'archive. Et 350. Ben voilà. Ensuite, oula, petit glitch. C'est quoi que t'as derrière? Tu viens t'en jeter un petit? Ah non. C'est moi qui régale. Wow. Je pensais que c'était des capsules de boost, mais non, pas du tout. Là, il y a un truc qui brille. Non. What? Mais t'as une perle sur la tête? Parlez. Salut Francis. Salut Jade, une petite partie. Tu peux m'expliquer les règles? Bien sûr, c'est simple. Tu dois te débarrasser de tous les palais qui se trouvent dans ton camp. Pour ça, tu vises avec le Joy et tu tires avec A. Oui, bah oui, j'accepte. On parie quoi? La partie à 100 unités, t'empoches 200 unités si tu gagnes. Et pour 1000 unités,
Je mets ma perle fétiche en jeu. Oh, j'ai toujours ma perle fétiche. Oh mmh, je suis tenté. Entrez votre code. Ah ben je n'ai pas de code. Comment on fait pour jouer? Ah ouais, moi je veux tenter ça. Vas-y, on joue. On joue. Ok, je veux bien essayer. Que le meilleur gagne. Entraînement. On va d'abord faire un petit entraînement. Go, ok. Ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il faut viser. Oh là là. Ok, ça démarre très mal. Je comprends que tout le monde est perdu. Mais c'est une catastrophe. C'est une grosse catastrophe. Bah oui, j'ai perdu. Oh. Ok, round 2, c'est parti, let's go. Allez, hop. Hop. C'est un entraînement, donc forcément, il va nous faire gagner au bout d'un moment. Wow. Ouais, j'ai gagné, mais ça reste qu'un entraînement, c'est nul. Non! Oh là là! Ok, tout droit. Légèrement en biais. Ok. Comme ça. Comme ça. Et... Oh, trop près du bord. Trop près du bord. Non, pas assez. Voilà, comme ça. Et le dernier. Non! Dégage. Oh, t'as gagné. Ok. Franchement, j'ai bien envie de tenter la perle. Allez, on a quand même pas mal de d'unités. Parce que du coup, ça ne s'appelle pas de l'argent, ça s'appelle des unités. J'ai envie de tenter. Ah, mais là, c'est nul, là, quand c'est comme ça. Je peux rien faire de là. Oh, t'as gagné. Ah oui, round 2. Oula, round 2, attention. Oui, je pensais que c'était déjà la win. Mais non. Ah. Ok, pas mal. Ouf. Allez, allez. Ouais, c'est bon, ça bloque tout, là. C'est pas mal, ça. Ouf. Ah. Eh, c'est pas évident, parce que j'essaye de pousser en même temps. Non. Oh. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On renvoie petit à petit. Oh non, le truc qui revient. C'est horrible. Ok, c'est bon, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe. Tout droit. Voilà, deux d'un coup. Hop. Ok. Tout droit. Non, c'est bon, Jade. C'est bon. Le bord, le bord, le bord, le bord. Allez, allez, allez. T'as gagné. Oui, bon, ça va, je m'incline. Yes. Une autre perle, une autre perle. Cool. Ben voilà. Ensuite, bonjour tous les deux. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai vu un truc. VF. F6. Ah, j'ai un gros doute. F6. V7, F6. Attendez, 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 attendez. V7, F6. Ah, ça va pas là? Bon, ok. Alors... Salut Seven, t'as dit quelque chose Rufus? Moi, non, non, rien. D'accord. Et Rufus, qu'est-ce que tu caches? T'as pas la conscience tranquille? Écoute, Morveuse, mon grand-père pouvait dévorer une famille de 8 enfants en 17 secondes. Ah oui. Mon père a réussi en 12. Mmh. Ah bah dis donc, ok, super. Par contre, je vois pas trop à quoi il correspond ton code, là, je sais pas. On va aller voir à l'étage. On va aller voir ce qui se passe à l'étage. Ouais. Oh.
Salut. Je peux faire quelque chose? Je crois pas, non. Ou plutôt, si, débarrasse-moi de ce ticket. Qu'est-ce que c'est? Le code d'un coffre des sections Alpha où ils stockent ce qu'ils ont extorqué aux Iliens. Tu sais où il est ce coffre? Dans une remise près de la fontaine sur la droite. Près de la fontaine sur la droite. Je voulais seulement nourrir ma famille. Je n'aurais jamais dû le récupérer. Je me suis retrouvé seul. Ils ont enlevé tous les miens. Tu n'es pas seul, courage. Oui, et si tu m'aimais dehors, c'est les tiens qui sont emmenés. Faut plus me parler du réseau Iris. Ok. Pour tourner l'objet et lire le code. Bah, de toute façon, il était là, le code. Hein. G9V7. Et tout à l'heure, on avait V7F6. Ticket des sections alpha, ok. On va aller voir ça. Avancez, mademoiselle. Oui. Venez tenter votre chance chez Belle Mirette. Encore un jeu. Bonjour. Ah, bah oui, bah non, Belle Mirette. Pfff, bien mieux, bah oui, c'est lui. Une fillette dans ce tripot. Celui j'ai fumé, tu élèves des cochons au bord de la mer. Si tu veux tenter ta chance au bonto, passe d'abord ta carte. Yep. Identification compte. Ok. Tu t'intéresses aux perles. Attention, c'est parti. D'accord. Alors. Ouais. D'accord. Ouais. Milieu. Oh oh. Je te donne la chambre numéro 3. Je suis sûr que tu l'apprécieras. Il y a une magnifique armoire ancienne. Je te recommande d'y jeter un œil. J'ai l'impression d'avoir un moucheron ou je sais pas quoi depuis tout à l'heure. Hey, pour tourner l'objet et lire le code. Et du coup, c'est W4C5. Ok. Chambre numéro 3. W4C5. 4. C'est 5. Validé. Yeah. Alors, du coup... l'armoire, c'est ça. Oh. Un peu bizarre, l'armoire, quand même. Hein. On va pas se le cacher. Alors, et bonsoir... Ah, mes d'accord. Amis, laissez-moi vous présenter Jade, notre nouvel agent. J'espérais que tu viendrais, un proche. Voici May, rédaction et diffusion de Iris, notre journal. Nino, écoute radio, transmission et colleur d'affiches infatigable. Salut. Sur ces écrans, tu peux voir la plupart de nos correspondants. Ils opèrent à travers l'univers sur plus de 13 systèmes différents. D'accord. Tu connais déjà Belle Mirette. Ouais. C'est lui qui a eu l'idée de te proposer le job, il savait que tu réussirais le test. Bien sûr, ça crevait les yeux. Elle a du talent, la petite. La petite. Les événements s'accélèrent. Une bombe d'hommes a explosé dans les canaux. Bien sûr, les sections Alpha ont bouclé le secteur et ont embarqué tout le monde. Pour les soigner, tout simplement. Aucun hôpital n'a reçu les victimes, Jade. Dès l'annonce de la nouvelle, le gouverneur d'Ilis nous a contactés. Elle est prête à nous aider, mais son QG est sous surveillance. Tu peux nous aider à sauver ces gens, Jade. Nino, fais-nous un point sur la situation. Voilà ce qu'on sait. Les victimes sont enlevées par des agents des sections Alpha. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la fabrique de neutrines. Des navettes prennent le relais jusqu'aux anciens abattoirs. Ouais. Chargement dans un croiseur militaire, direction la Lune. Nous ignorons ce qu'ils leur font subir. Aucun de nos agents n'est revenu de ces endroits sinistres. Il y a 4 jours, nous avons perdu la trace de double H dans la fabrique de neutrines. Ok, d'accord, je me souviens de lui. Notre meilleur agent... Je me souviens de lui. Double H devait rapporter des preuves du trafic des Doms. Ces derniers clichés sont terrifiants. Un mangeur d'esprit. Il faut reprendre la mission, Jade. Tu peux refuser. Continue. Nous avons besoin de preuves. 1. Tu t'infiltres dans la fabrique de neutrines. 2. Tu prends des photos des sections Alpha et de leurs victimes. Tu resteras en liaison permanente avec May. Elle diffusera tes clichés aussi vite que possible. Les gens doivent connaître la vérité. Moi aussi, je dois savoir. Je dois savoir qui dit la vérité dans tout ça. Bien, voici un City Pass officiel, fourni par le gouverneur. Il t'ouvrira certaines portes. Bonne chance. Ok, y a-t-il la garde ? Tout le quartier piéton. Ok. Jade, si tu veux, je t'ai gravé un M-disque. Je te l'ai mis là.
Tout y est expliqué en détail. Ah oui, d'accord. Je regardais de l'autre côté. M-Disc. La perle et les courants. D'accord. On va checker. On va checker, on va voir ça. Opération Liberté. Les sections Alpha nous trompent. Elles sont contrôlées par les Doms et profitent de la débâcle générale pour enlever des innocents. Grâce à Double H, nous connaissons le cheminement des victimes sur Illys. 1. La fabrique de Nutrine. 2. Les anciens abattoirs dans des navettes. Ok. 3. La Lune dans un cargo croiseur. Nous devons mettre un terme à ce cauchemar. Chaque preuve du complot nous apportera davantage de soutien de la part du peuple. Un soulèvement général nous permettrait de renverser les sections Alpha et de sauver des milliers d'innocents. Si la révolte s'étend, nous pouvons peut-être mettre fin à la guerre. Pour ça, il nous faut des preuves photos pour savoir ce qui se passe à la fabrique. Des photos des victimes, des photos des sections Alpha sans leur casque pour connaître leur vrai visage. Ok. C'est là que tu interviens, Jade. Tu reprends la mission de Double H. Voici son dernier communiqué. 19h23, je suis dans l'enceinte interdite. 19h30, j'aperçois les navettes qui vont et viennent de la plateforme supérieure. 20h03, j'ai réussi à pénétrer dans la fabrique. 20h50, je suis épuisé. J'ai dû nager au moins 3 km. 21h10, je suis dedans. Ça y est, je vois les caissons noirs. Du bruit. Hé, quel... Apparemment, ils ont dressé un faucheur. La présence de cet animal et les rayonnements Sigma sont la preuve de l'existence d'un mangeur d'esprit. Ce sont ses derniers clichés. Depuis 4 jours, plus rien. Silence radio. Double H était notre meilleur reporter. Il a fait énormément pour nous. Grâce à lui, le réseau Iris a pu entrer en contact avec le gouverneur d'Illys. Le gouverneur est radicalement opposé aux sections Alpha et à leur méthode, mais elle ne peut agir à découvert. Elle est prête à nous aider si, de notre côté, nous faisons progresser la vérité. Et si de plus en plus d'Iliens font confiance au réseau Iris. Les Iliens. Si tu tombes sur une porte de ce type, photographie-la et envoie la photo au gouverneur. Son okay. Service d'expert essaiera de te trouver le code. D'accord. Nous comptons sur toi, Jade. Sois prudente. Ok, ça marche. Ok. Bon. Eh ben, il va falloir qu'on découvre un petit peu tout ce qui se passe. Et le double H, ouais. Ça me parlait. Jade, il faut que tu choisisses un nom de code pour signer tes articles. Shoni. Ça, c'est le nom que le tout premier boss, là, on va appeler ça comme ça, il t'a appelé comme ça, en tout cas. Shoni. Continue comme ça, et un jour, tu pourras sortir de ta propre coquille. Pas de problème. Du coup, alors ça par contre, j'arrive pas à savoir. Je serais curieux quand même. V7F6. Vous savez quoi? Je crois qu'on peut essayer d'entrer là dans les autres chambres. On va essayer là. V7F6. Il n'y avait pas les codes là? Ah non, je croyais, mais non. Du coup. V. S. T. U. V. Voilà. V. Ouh, doucement. V. 7. F. 6. Eh ben voilà, c'était ça. C'était bien ça. Et. Oh! Petite capsule de boost. On prend, hein, carrément. Vas-y, Jade, prends-les. Voilà. Et dedans. Oh! Une perle! Toujours plus de perles. Allez, vas-y, ramasse-la avant qu'il arrive. Butin de Rufus. Merci, Rufus. Merci beaucoup. Et du coup, bah, c'est tout. Rufus. Je te force un peu la main, mais Illys en a plus besoin que toi. Exactement. Ben voilà, ben on a tout fait ici, il me semble. Hein. Je crois pas qu'on ait oublié. Ouais, oui, d'accord. Allez, let's go. Et je voudrais aussi voir là par rapport au ticket que le monsieur nous a donné. Il faut une clé spéciale. Une clé spéciale, ok. Donc les trucs avec un triangle, on ne peut pas passer. Voilà. Oh, je vois une pépère.
Petite pépère. Elle est à combien? 3000. J'ai appuyé direct, j'ai même pas cherché à comprendre. Starkos, les Starkos, on en a combien? 4. Allez, vous savez quoi? On a un peu de sous. Oh, par contre, je vois ça à côté. 1500. Allez, je prends. Je prends. Bim. Voilà, ça fait un cœur en plus. Et on est à 4. Oh, parfait. Et la boîte... Ah ouais, c'est 300 la boîte. Je vais en prendre une, au moins une déjà. Oh non, vous savez quoi? On est à 7000. Allez, let's go. Voilà, on en a 4. C'est pas mal du tout. Hop, je vais mettre sur autre chose. Voilà, on va mettre comme ça pour être sûr de pas appuyer n'importe où. On peut passer? Oui, c'est bon, on peut passer. Très bien. Il a dit que c'était où le monsieur là, son truc? Je ne sais pas, je me souviens pas. Salut, qu'est-ce que tu faisais dans le coin, toi? Très bizarre. Bonjour. Ouh! Photo! Koikumon Ryu. Bon 300. Travail. D'accord, pas de soucis. Et toi? Photo aussi, toi? Ben ouais, carrément. Valrus Sapiens. Okay. 300. Let's go. Oh, il y a une perle. Il y a une perle, il y a l'AP1 à 1005. Oh, 4000 la perle. Et ça c'est quoi? Ah, on peut pas voir. Bonjour Mingtsu, bonjour mademoiselle si vous voulez acheter. Ouais. Identification compte. On va lui dire le mot de passe, on sait jamais. Vous êtes arrivé aux écus, j'ai un excellent recueil. À la réserve, je vous en prie, je crois qu'il me reste un exemplaire. Oh, ok, donc faut bien dire le code à tout le monde. D'accord. M-Disc, Iris 512. Ouais. Et 511. D'accord, donc il y a sûrement des infos dessus, impressionnant. Je garde ici les M-Disques des derniers numéros de Iris. Si tu veux, je peux aussi t'abonner à Iris Flash. J'allais dire, c'est marrant, Iris, ça me fait penser à Iris dans la série Flash. Voilà. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors, c'est... Ok, t'es un humain, j'ai rien dit. Super attaque renforcée 2000. Détecteur de perles. Ouh. Et là, on a une perle à 4000. Oh, elle est chère. Elle est très très chère, la perle. Très chère. Ça, c'est quoi? Détecteur d'animaux. Ouais. Moi, je serais bien tenté de prendre ça d'abord. Hein. Allez. Ouais, par contre, je suis sûr que j'ai un moucheron là qui est en train de m'enquiquiner. Est-ce que du coup, nous on a 5 cœurs, mais Paige il est toujours à 2. Est-ce que on peut. Sac. C'est quoi? Ouais, j'ai pas tout compris. Jet Boots. Donc, il y a peut-être moyen qu'on puisse lui donner des choses. Je ne sais pas. Comment... Sac. Ah ! Ok, d'accord. Bon, on va lui donner un petit peu, histoire que si jamais il a besoin, il se régène. On va lui en donner un. Voilà, je pense que 3 cœurs, ça sera pas mal pour lui. Tu me surestimes, Jade. Si tu me files pas quelques AP1, je vais rester un boulet pour toi. Bah, c'est ce que je viens de faire. Hein. Un impulseur méca 1500. Ouais, non, je pense qu'on va essayer de refaire d'abord un petit peu le plein au niveau argent.
Et puis on verra après pour acheter un peu plus tard. Ah bah tiens, le lecteur de M-Disc. On va regarder là ce que c'est là, les disques qu'il nous a donnés. Alors. Iris 511. Une nouvelle vague d'enlèvement dans le quartier piéton. Reportage double H, d'accord. Les Doms ont encore durement frappé la population ilienne. Encore 850 personnes portées disparues depuis une semaine. Oh la vache, 850. La soi-disant protection des sections alpha contre les attaques d'Homs semble bien dérisoire. Ouais. Chaud quand même. Hop, et du coup le 512. Iris 512. Ilis sous les météores d'Homs. Les canaux, le garage Mamago et le refuge du phare ont subi hier une violente attaque d'Homs. Ok, donc il a, ça fait pas longtemps qu'il a disparu en fin de compte. Les boucliers de protection n'ont pas suffi à stopper les météores d'Homs. Les sections alpha ne sont intervenues qu'après l'alerte. Les sections alpha sont incapables d'assurer la protection d'Ilis. En rouge. Ok. Oh punaise, comment j'ai chaud là. Ah, aïe aïe aïe. Allez, bon, bah du coup, il faut qu'on aille chercher ce fameux double H. Et je voudrais voir. J'ai cru voir. Ouais, ça là, voilà. Le petit escalier, il me semblait bien que je l'avais vu celui-là. Ok, alors déjà, ça s'ouvre tout seul. Transit. Ouais. Ouh, le joli passage. Quartier protégé, qu'ils disent. Eh ben, ils laissent tout partir en ruine. Bim. Ok. En tout cas, il y a un passage. On peut se faufiler. Bah, carrément. Allez, hein, let's go. Oui. Ah, bah. Je m'attendais à, comme dans Zelda, qu'il allait y avoir une icône rampée. Je sais plus comment que c'est écrit. Alors, attention. Il y a une activité par là-bas. Je vais jeter un œil. Ouais, on va aller jeter un œil. Bouge pas de là. Ok, nice. Comment on fait Voilà, c'est comme ça. Ok. Il y a personne, j'espère. Hein. Ah, on récupère ça. Voilà. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, on peut pas passer. On ne peut pas passer par ici. Ouah, c'est super bizarre leur truc là. Ça dit quoi? Détection faible, activité biologique. D'accord. Oui. Ah, il faut que j'aille par là-bas, je pense. C'est peut-être ça. Ok. Là, ouais, j'ai l'impression qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Là, pour le coup, je me souviens pas du tout où on va. Pour courir. Ah oui, j'étais pas loin. J'étais pas loin de me faire griller. Ouais, j'étais vraiment pas loin. Fais pas peur comme ça, Jade. Et en bas, il n'y a plus rien. D'accord. Oh, il y a une perle. Il y a une perle tout au bout. On va aller la chercher. Alors, voyons voir un petit peu. Ok, donc il faut que je passe là, que je m'arrête ici. Ensuite... Où je saute là. Est-ce qu'il faut remonter? Non. Ok, il faut aller tout en bas. Voilà. Ok, et de là, il va falloir que je saute après. Penche-toi. Ok, c'est bon. Grosse infiltration. Ok, maintenant, il faut que je repasse là-bas. Hop. Saute.
Est-ce qu'il faut que je continue ou pas? Je crois qu'il y a un deuxième truc là-bas. Ah, la caméra. J'essaye de voir où le chemin en dessous il nous amène. Mais la caméra ne veut pas... Ah si, c'est bon. Je sais pas s'il faut que je descende complètement ou pas. Ou si je dois remonter. Parce qu'après ça me fait redescendre là. Bah non, 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 ça me fait revenir où on était au début. Donc il faut que je passe par ici. Je voudrais me tourner, voilà, comme ça. J'avais peur que, qu'il y ait des rayons jaunes, mais non. Par contre, la caméra qui se remet tout le temps, là, comme ça, c'est un petit peu relou. Voilà, ok. On est d'accord, on ne peut pas passer là-bas. Non, non, on ne peut pas. Mais je suis déjà passé par ici, non? Je sais plus. Attendez, on va essayer de voir dans l'autre sens. Ouais, non. Non, non, non. Donc, c'est bien par là. Voilà, comme ça. Bah non, en fait, je reviens où j'étais. Il y a un truc que j'ai mal fait. Il y a un truc que j'ai mal fait. Hop, on va mettre l'appareil photo. Voilà, comme ça, au moins, ça sera un peu plus facile pour y voir quelque chose. Elle est où, la perle? Ah, déjà, il faut que j'aille par là-bas. Ah oui, mais de là, je peux pas passer, il y a ça. Donc c'est de là pour tomber ici. Ah, j'aurais dû aller plus haut tout à l'heure. J'avais sauté. J'ai un doute. Ouf. Faut pas appuyer sur le bouton B. Ne pas appuyer sur le bouton B. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va refaire. Hop, viens ici. Et ouais, il faut que j'aille tout en haut. Bah, descends, Jade. Voilà, merci. Allez, cours, 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 cours. Ok, là, il y a ça. Ah non, en fait, je suis pas venu là. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Allez, let's go. Cours, 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 cours. Ok, comme ça. Et ensuite... si, après je descends à droite et puis j'arrive là-bas. Ok, let's go. Ah, j'aurais peut-être pas dû tout de suite. Ouais, j'aurais peut-être pas dû tout de suite. Je fais comment? Ah, c'est bon, il y a ça. Truc, les sections alpha. Allez, 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 allez. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Ah, oh, c'est relou. C'est relou, c'est relou. Il va falloir que je me mette juste après, là. Allez, hop. Et ouais. Et après, il faut que j'arrive à tracer rapidement pour aller me mettre sur l'autre plateforme. C'est dommage qu'on puisse pas faire de roulade. Allez, let's go, let's go, let's go. Allez, Jade, allez, Jade, allez, 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 c'est bon. Ok. Ensuite, on vient ici. Voilà. Et là, je saute. Ok. Bon, c'est pas mal. On y arrive petit à petit. Et après, je crois que c'est bon. Et elle n'est pas ici, la perle? Si, je crois qu'elle est là. Oui, elle est là. Allez, hop! Dans la poche. Reprise aux sections alpha. Perle numéro 7. D'accord. Et ensuite, on ne peut pas aller là-bas. Donc, c'est par ici. Ah, ok, ça va me faire venir là. Il y avait un drôle de trafic de caisse et une perle. D'ailleurs... non, moi je voudrais ouvrir.
On peut pas l'ouvrir. Bon, déjà, ouais, porte sud, le pied de biche géant pour tout. Faudrait vraiment qu'on renfloue le tiroir caisse, c'est sûr. Tu sais, Minsu, ils vendent tout ça. Ouais, d'accord, on a vu les détecteurs. Tu veux pas bouger un petit peu, Paige? S'il te plaît. Voilà, merci. Je voudrais voir si... Non, on peut pas. Je pensais qu'on pouvait ouvrir le placard, mais non. Bon, et bah du coup, ça veut dire let's go, direction la fabrique de Nutri. Le pied de biche de 300 mètres. Du coup, là, on a tout vu. Je vais pas en reprendre. Par contre... hop, voilà. On va manger quand même un petit peu. Je pourrais en reprendre, mais je me dis qu'on en trouvera peut-être un peu après. Allez, on accélère. L'armée régulière a plus trop son mot à dire depuis l'arrivée des sections alpha. Il y a ça. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas vu là le truc du ticket. Je sais pas trop ce que c'est là. Oh. Et voilà, même plus moyen de circuler librement. Ah, merci. C'est quoi ça? Arachnis Viridis. Ok, une araignée. Ok, je le répète. 350. Parfait. Et du coup... Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça? Ok, donc là, il y a une grille. Ouais, non, j'ai l'impression que... Ne pas appuyer sur B. Bon, a priori, on ne peut pas passer par là. Parce qu'on a le code, là, du monsieur qui était dans sa chambre, là, qui avait l'air complètement dépité. Mais j'ai... A plus trop son mot à dire depuis l'arrivée des sections alpha. Pas bien retenu par où il faut passer. J'ai pas bien retenu par où il faut passer. Pardon, excusez-moi. Bah non, là, ça nous fait revenir ici, donc c'est pas par là. Là, on a tout vu. Il y a quoi, là? Ok, il y a une grille, d'accord. Donc là, c'est non. Ici, il n'y a rien... et du coup, bah, ça nous fait partir après. Bon, et bah, écoutez, je sais pas. Je sais pas du tout par où c'est. On reviendra de toute façon. On reviendra, on fouillera un petit peu plus. Je pense qu'on a déjà pas mal fouillé. Course. On va aller jeter un œil. Hop. On va aller jeter. Un œil, 1-2, un d'abord. On est prêt pour la troisième. Ah oui, les courses. Oh punaise, d'accord, ça y est, je me souviens de ce que c'est. Hey, le nouveau, bienvenue au championnat. La règle est simple, une perle pour le vainqueur, et les trois premiers se qualifient pour le circuit d'après. Ok, et eh ben on va faire la course une déjà. Ah, génial, les sous-titres qui arrivent 3 jours après. Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot. Tres, dos, uno, go. Allez, let's go, c'est parti. Et ça démarre très mal. J'ai voulu les esquiver dès le départ. Ah, il y avait un petit cut là, dommage. Ouf. Hop, on va passer par ici. Ok, c'est bon. Tout va bien. Bravo, ouh. Ok, c'est pas mal. Ouais, deuxième tour pour le petit nouveau. Ok, on est bon. Non. Ok, c'est bon, ça a touché. Ça nous a donné quand même un petit peu d'accélération. C'est pas mal. Musique. Dernier tour pour le petit nouveau. Je prends large.
Sérieux, je suis en train de rattraper les derniers. C'est vraiment facile. Hein. Je pense que c'est la course 1, donc bon. Ben voilà. On a fait une 06, on n'est pas très loin du record. Ça, c'est les murs que je me suis pris. Ben voilà. Une perle de plus. Donc, à mon avis, je pense que si on bat le record, il y a peut-être moyen d'avoir une autre perle. Il y a des chances. Oh! Et 1000, pas mal. Allez, vous savez quoi? On va aller se faire la course 2, là, tant qu'on est là. Récupérons des perles. De toute façon, on va en avoir besoin, des perles. Il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours plus. Record 2,28. Ah, plus long, là. Je vais essayer de passer au milieu, voir. Ok, let's go. Ouais, bon, j'ai braqué un tout petit peu trop à gauche, mais bon. Oh, il y avait un cut là, j'ai vu un truc pour sauter. Allez, allez. J'ai freiné peut-être un petit peu trop. Okay, il y avait encore un cut ici. Ah, je freine trop. Je freine trop. C'est très sensible. C'est vraiment très très sensible. Ouais. Je voudrais... Ok, d'accord. Donc en fait, ça fait juste ça. Je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Ouais, le frein, ça freine. Mais c'est même plus qu'un frein. C'est un stop, quoi. On peut leur tirer dessus. Ok. Ouah ! Oh ! La caméra ! Fais pas ça, la caméra ! Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Ah non, pas dans le mur. Ah. Oh là 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 là. Je sais pas où il est le premier, mais il m'a l'air bien loin quand même. Ok. Comme ça. Hop là. Le petit boost qui fait très plaisir. Moussaka. Bah, Moussaka, alors. Oh, il est là. Faritas, yes! Et non, dommage, on est deuxième. Miss Seven! Bon, bah écoutez, on a fini deuxième. Donc on va avoir de l'argent. 200. Ah ouais, bah là, le deuxième prix, oui, ça calme un peu quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, on reviendra les faire hein, de toute façon. Voilà, c'était l'instant petite course. Ça va être un carnage, ouais. Mais oui, on reviendra les refaire de toute façon, étant donné que il y a des perles à la clé. On est prêt pour la troisième. Ouais, non, on fera ça plus tard. On fera ça plus tard. Moi, ce que je veux, course, chez nous, quartier piéton, île aux Noirs. Ok, donc en fait, je suis obligé de sortir de là. Je n'ai pas la fabrique, là, l'abattoir en visu. Hop. Donc on va sortir de là. Alors, voyons voir. Alors, est-ce que de là, on va avoir quelque chose? Fabrique! Ben voilà. Ben on y est. On y est, impeccable. Par contre... Tiens, ils ont même condamné ce passage. Avant, on pouvait aller direct à la fabrique. On peut pas passer, il nous suit. Vous approchez d'une zone dangereuse.
Pour votre sécurité, mais... veuillez faire demi-tour. Dégage. Merci. Merci de votre compréhension. Ok, je passe par où? J'ai repéré un canon neutralisant à 5 perles chez Mamago. C'est ça qu'il nous faut. Bah voilà, ok, alors Mamago. Mamago, c'est par là-bas. Ok, donc faut repasser. Faut repasser dans la cité et direction Mamago. Ok.